Yo tout le monde, c'est Lu, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comment mettre son intro sur YouTube, sur téléphone. Donc tout simplement, première chose avec l'application bien sûr. Toute première chose à faire, vous allez sur App Store ou Play Store, pas ça. Vous allez dans la barre de recherche, vous tapez Vitrim ou Vitrime, voilà, avec un M, c'est la première suggestion. Donc voilà, vous arrivez sur cette page, donc voilà, vous l'installez, et une fois que vous l'avez installé, bah vous l'ouvrez tout simplement. Voilà, vous l'ouvrez. Donc voilà, là il y a mon intro. Là il y a une vidéo en brouillon que j'ai fait vite fait comme ça pour cette vidéo. Donc voilà, vous tapez sur votre intro. Vous faites fusionner. Fusionner. On va faire vidéo normalement, voilà. 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 Et puis voilà, je crois que c'est ça. Hein. J'annule ça tout de suite. Donc voilà, hop, on refait les amis, désolé. Fusionner. Plus. En bas à droite, là. Ouvrir à partir vidéo. Voilà, caméra, hop. Et après, bah, je crois que c'est tout, les amis. Après, vous faites le petit truc que j'ai fait. Attendez, je vais vous remontrer. Vous faites. Oh, ça m'énerve. Vous faites fusionner. Plus. Vidéo. Hop, caméra. Voilà. Et vous faites juste ici, là, en haut à droite, la petite. À côté des petits trois points, c'est juste à gauche. Voilà, vous appuyez, vous faites exporter. Sauf si vous voulez acheter un. Hein. Exporter, voilà. Et là, on attend. Sinon, les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Ça me ferait extrêmement plaisir, comme d'habitude. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé. Allez, on est presque, on y est presque. On est un peu plus motivé. Donc voilà, peut-être tout à l'heure je vais faire du Fortnite, les amis. Voilà, donc on attend un peu, on attend un peu. Et voilà, lecture. Voilà ce que ça fait les amis. Ça, c'est mon intro que vous allez voir dans la prochaine vidéo. Voilà. Voilà. Bon, là, c'était une vidéo brouillon, juste vite fait parce que j'avais pas de vidéo. Donc, voilà ce que ça va faire. Voilà. Donc voilà. Hein. Et ben voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, elle m'a plu de vous dire comment on fait. Donc n'hésitez pas à installer Vitrim.
Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, ça me ferait extrêmement plaisir. Bien sûr, comme d'habitude, vous n'êtes pas obligé. Et on se dit à la prochaine, tout le monde. Ciao!